L'acheter, voilà qu'aujourd'hui je suis content. Et vous allez voir pourquoi je suis content. Je vais faire un achat. Je vais acheter quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de normal. Je suis content. Regardez ce que je vais acheter. Je vous en supplie, regardez ce que je vais acheter, l'acheter. Une Peugeot 505 des années 79. Oh, voilà que. Je sais pas si vous vous connaissez un peu en voiture, mais c'est un bolide. Oh, c'est un bolide, elle est toute ancienne, elle est toute belle. Regardez l'intérieur. Je vous en supplie, regardez l'intérieur, l'acheter. Quasi toutes les pièces sont d'origine. Le levier de vitesse, c'est incroyable, l'acheter. Là, on va essayer de la démarrer. Regardez l'intérieur. Voilà, Farab, c'est ta moto. Des gentils policiers sont venus et ils l'ont pris. Allez, au revoir la moto. Voilà, t'arrêterais de faire chier tout le quartier. Merci. Merci, Dieu. Non mais cherchez pas à comprendre s'il vous plaît les gens de quartier. Elle part à la fourrière. Elle part à la fourrière, je suis désolé. Non, il n'y a pas de brûlé là, tu te calmes, Aïdji. Oh, tu te calmes, d'accord. Tu te calmes. Non. C'est du rodéo sauvage, on appelle ça du rodéo sauvage. Ce véhicule va à la fourrière, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de brûlé. Mais tu comprends pas. Mais excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. La voiture, la moto là, elle va où? À la fourrière. Hein? Allez, à la fourrière. Tranquille, arrête de me parler, quoi, c'est ça. Oh, c'est bon, tu calmes, oh. Oh, tu vas pas rentrer en prison pour une moto, hein. Oh, c'est en train de trucs là, c'est en train de vriller là. Oh, mais c'est bon, mais c'est bon, mais calme-toi. Oh, mais calme-toi, c'est juste une moto. Non mais s'il vous plaît, mais arrêtez, hein, arrêtez de polémiquer. Et il y a encore des renforts là, GT. Oh mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi autant de renforts. Regardez, mais regardez comment c'est transformé. Non, non, tu vas donner ton prénom. C'est la police quand même. Tu donnes ton prénom. Tu donnes. Non, il n'y a pas de. Je sais pas quoi, toi. Va. Va parce que regarde. Regarde. Oh là là, la gazeuse. Oh là là, la gazeuse. Tu plies, regardez. Oh, tu te rends compte que tout ça, c'est à cause de toi? Mensonge, tout ça, c'est à cause d'elle. Ouais, je sais pas pourquoi. Dès la bagarre. Non, c'est pas une bagarre, c'est une moto. Ah, il est déconvoqué. Tu me mets dans la merde ou quoi? Non! Mais c'est une moto! Non, c'est une moto! Pourquoi tu mets le casque? Voilà, pourquoi tu mets pas le casque? Ils ont raison ou pas? Le raison, Fouriel! Allez, à la fourrière! Voilà, Farah va payer la fourrière! Et son frère, il n'est pas d'accord! Parce que la moto, elle est à lui, la chaîne. Et Maïjin ne veut pas que sa soeur paye la fourrière! Ah, il a beaucoup de sous, montre la montre. Mais cette Rolex, elle coûte combien? Mais écoute, frérot. Elle coûte 80 000 euros. Et tu demandes à Farah 200 euros pour la fourrière. En fait, c'est ça, c'est pour ça que tu veux pas que ta petite soeur paye. C'est ça que je voulais faire. Normalement, tu la connais, tu vas-y, c'est bon. Mais après, attention, il lui a prêté à elle, ça, elle l'assumait aussi. Mais non, il l'a prêté à tout le monde, c'est pas ta soeur. C'est pas fait pour aller sur la route. Tu l'as prêté à tout le monde. Tu payes, t'assumes. Quelqu'un de solvable, parce que le courant d'un mec, il n'aurait pas demandé les sous. Ouais. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. It's just beautiful. Au revoir. Tu dois payer la fourrière, c'est même pas ta moto. Allez, bye bye, bag. Et là, elle est revenue, la chaîne. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi je l'ai faite partir. Mais ce que d'abord je peux vous dire, c'est que elle s'est embrouillée avec quelqu'un. Et calmer la situation parce que ça en arrivait aux mains. Et là, c'est battu. Non, à la base, je me tape pas, mais oui, on m'a levé la main dessus et je me défends. Et voilà, je l'ai pas mis sur Snap, HNT, ils se sont battus. Pour calmer et apaiser les tensions, je l'ai fait partir d'un côté. Et ce soir, vous allez savoir avec qui elle s'embrouille parce qu'ils vont s'arranger, Inch'Allah. S'arranger? Oui. Il y a mes deux voitures garées à côté, la HNT. Parce que n'oubliez pas, j'ai le Mercedes cabriolet, mais celle-là, j'ai décidé de plus la toucher. Ça y est, je m'en fous. Maintenant, c'est celle-là. C'est ce bijou, la HNT. Mais j'ai une question à vous poser. À votre avis, laquelle m'a coûté le plus cher? Est-ce que c'est celle-là ou celle-là? Vous venez d'où les frères? De Liège. De Liège? 4000. Putain, de Liège, vous êtes venu à Perpignan. Il y a combien de kilomètres? 1275, ouais. 1200? Oh là 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 là.
Et on a Soso qui est venu tout droit du Maroc. T'es de quelle ville? Casablanca. T'es venu de Casablanca? Ouais. En France, à Perpignan? Ouais. Pour venir me voir? C'est beau, hein? C'est beau, mon frère. Là, ça fait plaisir. Casablanca, c'est Darbaïda, non? Casablanca? Ouais, Darbaïda. Darbaïda, la chaîne, t'es la vraie. Casa. Mais attends, on est bien d'accord que la chaîne, on était sur Marrakech, tous ensemble. Nous, on est revenus, toute la team est revenue, mais malheureusement, Sofia et là, vous êtes restés sur Marrakech. Il n'y avait pas d'avion retour. Mais quand vous êtes resté sur Marrakech, c'est comme si toi et moi, Tounsi, on reste sur Marrakech. On reste ensemble. Toi, t'es parti rejoindre des amis à toi, et toi, t'es parti rejoindre des amis à toi. Et vous ne vous parlez plus déjà? Non, on ne se parlait plus. Pas du tout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à Marrakech? On se parlait, c'était hypocrite. Mais il y a eu des accumulations. Mais des accumulations de quoi? Il y a eu plein de choses bien avant, et des... Frère, tu m'as proposé la question. Attends, j'avais proposé la question. Mais non, mais attends, parce que là, les gars, vous êtes dans la même situation. Si vous vous êtes, si vous êtes battus les deux, vous êtes griffés le visage, parce que la chaîne, surtout Sofia, t'étais griffé du visage, la chaîne, ils se sont battus pour 350 euros. Non, moi, je l'ai tapé, Mais pourquoi tu l'as tapé? Bon, on va faire quelque chose. Oh, chacun a le droit de 2 minutes. Elle a tout fait, elle a appelé son pote, elle répond plus, elle est là pour je me prépare pas. Oh la vie, attends, tu devais sortir en boîte, tes habits, ils étaient chez Sofia, ou chez le pote à Sofia, et elle a fait en sorte que tu te changes pas. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi elle aurait fait ça? Elle s'est préparée et moi... Mais pourquoi elle aurait fait ça? Elle veut de la lumière. Ah! Tu penses que Sofia fait tout pour être plus belle? Il y a que les femmes, elles font ça entre elles. C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour que je me prépare pas. Et que tu sois moins belle qu'elle. Exactement. On a ce niveau-là. Vous êtes battu pour ça. Arrête. Voilà que c'est ridicule. Mais la tête de ma mère qui est là, voilà, vous êtes ridicule. Là, pour une histoire de téléphone, ils se font des pics en story. Regardez. Voilà, tu sais pas ce quoi, là. Elle a tombé mon père, mais voilà que c'est du ridicule. Là, je les ai ramenés pour qu'ils se calment, ils font toujours, ils s'insultent pas. Ah, mais attends, chut, voilà que, ça y est, voilà, vous sortez de caméra. Tu vas rentrer chez toi, et toi, tu vas rentrer chez toi. Ça y est, voilà, comment nous, on en est arrivé? On essaie de vous calmer pendant ce mois béni du Ramadan, voilà. Je sais pas s'il y a du vice de vue, de story, de... mais c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, ça y est, t'as trop parlé aussi. Qui rentre chez elle, les deux?